coucou. Allez, on a changé la configuration de l'écran. On va aller voir quel est ton message du jour. J'avais débuté comme ça, à faire les vidéos en tirage. C'était il y a maintenant 2 ans. Ok. Il y a une relation qui s'est terminée peut-être durant l'hiver dernier. Une relation intense, hein, une relation qui était vraiment vécue de toutes parts, d'un côté comme de l'autre. Mais malheureusement, vos chemins se sont séparés. Tu vois, on voit la personne de ton cœur. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elle ressort comme étant toujours dans ton cœur, comme si elle était toujours éprise de toi. C'est une personne qui a compris qu'elle devait certainement créer du changement. Ok. Regarde. Il va y avoir de la communication. Grand week-end. Donc, du coup, peut-être que tu auras un petit message de sa part ce week-end. On peut être aussi là-dessus. Ok. Il y a des envies de projet. Ok. Alors, il y a une autre femme qui ressort à côté de toi. Est-ce que, du coup, cette séparation n'a pas été obligatoire? Est-ce que ton autre était célibataire? Ouais. Tu vois, là, on me montre qu'il y avait certainement une femme proche de lui. Ça peut être une sœur, une mère, quelqu'un qui est très, très proche de son foyer. Et c'est peut-être une réponse à certaines questions. Pourquoi tout s'est arrêté brutalement? Parce que pour le coup, il y a la croix qui est ici et on voit quelque chose d'assez brutal. Mais l'éléphant ressort. L'éléphant est porteur de chance, surtout la trompe en haut, ce qui fait que c'est un peu comme si on allait... Ok, regarde. C'est comme si tu allais avoir comme un rebondissement, quelque chose que tu n'as pas forcément vu venir. Dites-moi si cette configuration vous convient. Pour le coup, j'hésiterai pas. Vous voyez peut-être un peu moins bien les cartes. Il y avait grosse blessure d'injustice. Donc, ouais, non, je m'égare. Donc, n'hésitez pas à me dire si cette configuration vous plaît. Je n'hésiterai pas à en refaire d'autres si vous m'entendez bien. Pour le coup, j'ai mis mes écouteurs pour que le son soit plus fluide pour vous. Ok. Il y a eu une grosse blessure d'injustice par rapport à cette séparation. Tu vas clairement avoir des nouvelles parce qu'il y a l'oiseau qui est ressorti. Et regarde, il y a un compromis qui va être proposé avec une direction à prendre, donc une décision à prendre. Ce que ça me dit, c'est que peut-être que la personne de ton cœur n'était pas disponible et qu'elle a dû... elle aussi travailler de son côté, mettre des choses en place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est en pleine métamorphose. Elle était une chenille, elle souhaite devenir un papillon. Juste à côté, il y a cette marque qui m'indique qu'il y a de l'engagement. Donc, on peut être aussi sur quelque chose d'énergétique. Mais on peut être aussi sur le côté pro. Hein. Tu peux le tourner côté professionnel si ça t'inquiète aussi. On voit que de toute façon, il y a une prise de conscience, une prise de communication et que... c'en est terminé, la justice peut être peut-être une séparation, un divorce, en tout cas face à une autre personne que toi. On sent qu'il y a des pensées qui sont partagées, qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont encore en train d'être remuées, mais avec le temps, tu vas t'armer de patience et tu vas quand même continuer à guérir tout ça. Tu vois, tu ressors comme étant à côté d'elle. On voit quand même qu'il y a eu de la fourberie, certainement en lien avec cette femme. Il est possible hein, qu'il ait... que ton prénom soit sorti lors d'une dispute où vous étiez, enfin lui était avec son autre et qu'il y a eu une dispute et que ton prénom est sorti, qu'elle s'est doutée peut-être qu'il y avait quelque chose et que lui a été obligé à un moment donné de prendre les bonnes décisions pour avancer. Et clairement, on te parle de la séparation qu'il y a eu avec toi, le temps de régler ce que je devais avec cette tierce pour pouvoir clairement, ouais, tu vois, pour pouvoir clairement avancer pour toi. Pour nous, on voit que c'est quelqu'un aussi qui a déménagé. Je ne vais pas non plus m'étaler parce que sinon, on serait sur un tirage clairement plus poussé. En tout cas, on voit que vous allez retrouver un équilibre, qu'il y a une reprise de communication. Je n'ai pas cette notion de temps, donc on est quand même sur les quelques jours, quelques semaines qui vont arriver. Ça peut être aussi en 5D. En tout cas, il va venir te faire part qu'il commence à mettre des choses en place, qu'il est peut-être en cours de séparation et que...
On voit hein, les papiers, ça veut dire que ça y est, il est enfin poussé. C'est pour moi une des bonnes nouvelles pour toi ce week-end et pour les jours qui vont suivre.